ne manquez plus aucune émission. Voilà. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire cette tournée des grands chantiers de l'enseignement supérieur universitaire. Je voudrais souligner de prime abord que le président de la République, Félix Tshisekedi, a montré son attachement à la jeunesse et a voulu marquer, au-delà de cette politique qu'il a initiée dès l'entrée en fonction, celle de la gratuité de l'enseignement, il a voulu marquer sa présence à l'enseignement supérieur par la construction des infrastructures de qualité. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons lancé à l'UPEN la première phase de la construction et de la réhabilitation des universités. Vous avez vu vous-même ce qui s'est fait à l'UPEN, où des bâtiments de grande envergure, en fait à la dimension de la grande Inikin qui avait été construite par Mgr Gillon. Nous avons aujourd'hui Félix Tshisekedi qui donne à la jeunesse congolaise l'espoir d'étudier dans les bonnes conditions. Alors, les travaux évoluent très bien ici à Kinshasa. Vous avez vu vous-même. Nous avions lancé ces travaux en avril pour ce qui concerne l'INBTP et l'UPEN, l'Université de Bujimai, l'Université de Kananga et Bounia. Les travaux ont été lancés officiellement en avril. Et vous avez vu ce qui a été réalisé depuis avril jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 4 janvier. C'est un travail gigantesque. Il y a pratiquement à l'UPEN des hommes qui sont faits prêts, sont terminés. Des auditoires qui sont quasi terminés. Et vous venez de voir ici à l'UNIKIN que les hommes 20 et les hommes 30 qui ont fait passer tous les grands que nous avons dans ce pays sont quasiment réhabilités et les travaux sont presque terminés. La question qui a été posée lorsque le chef de l'État est arrivé à Bujimai, les gens ont dit, voilà, les travaux de Bujimai, on a vu qu'on a mis des socles, la fondation est là, mais ça fait 2-3 mois, on ne voit plus les travaux évoluer. Et effectivement, je voudrais profiter de ces moments pour vous dire qu'on a des difficultés à l'intérieur de la province, notamment dans l'espace Kassai. Et la grande difficulté est d'ordre logistique. L'acheminement des matériaux de construction pour ce qui concerne Bujimai et Kananga, c'était casse-tête. Nous en profitons effectivement pour demander à ceux qui s'occupent de la route de vraiment de nous aider à finir la route Kananga-Bujimai. Cette route nous permettra d'avoir la possibilité de faire un acheminement facile des matériaux et donc d'accélérer les travaux de construction de l'université de Bujimai et de l'université de Kananga. Mais qu'à cela ne tienne, nous ne sommes pas en retard. Les travaux de Bujimai, de Kananga, de Bounia vont faire 3 ans. Puisque là, il s'agit de la construction des universités. On commence par zéro pour terminer. Et ça concerne les homes, ça concerne les auditoires, des laboratoires. Mais là-bas, puisque c'est la première fois qu'on le fait, on va faire la voirie, on va faire l'électricité, on va faire l'eau. Et tout ça, c'est des travaux qui demandent effectivement que ça prenne un peu de temps. La construction des bâtiments modernes pour améliorer les conditions d'études des écoliers et élèves en territoire de Walikale évolue selon les programmes fixés entre Abeseko et Africo. Des centres de santé sont aussi en train d'être construits dans le cadre du programme de développement de 145 territoires en République démocratique du Congo, amorcé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Enclavé dans plusieurs secteurs, le territoire de Walikale, avec des potentialités forestières, minières, hydraulique, agricole et une population volontariste est longtemps restée isolée pour décoller car ces infrastructures routières n'ont pas encouragé d'investissement pour sa modernisation. Le programme de développement de 145 territoires fait l'exception en construisant dans cette entité des bâtiments et autres infrastructures répondant aux normes pour alléger le calvaire de la population. Africa Renaissance Initiative DR Congo, partenaire de mise en œuvre de ce programme dans cette partie du Nord Kivu, poursuit son engagement dans l'implantation et modernisation des bâtiments, des écoles et centres de santé dans 3 zones, à savoir Itebero, Moutikou, Kabamba, Moussenge pour un axe, Kachebere, Miba, Karambi, Louvungi pour un autre, et aussi dans l'axe Pinga. En dépit de multiples défis liés à l'acheminement des matériels sur le terrain, le climat ainsi que les dénivellations, des équipes et techniciens de Africo se rassurent que les travaux qui sont en cours respectent la norme exigée, comme le dit un des ingénieurs. Nous devons vérifier si nous avons bien fait et bien exécuté les plans tels que
Les constructions en cours sont dans un programme complet, contraignant, reconnaissent les superviseurs pour désenclaver les secteurs de l'éducation déjà présentant une image rustique à ce siècle finissant. Nous travaillons dans Walikale et dans Walikale nous avons 8 ouvrages, 8 écoles et 5 centres de santé. Construits avec des matériaux durables et la finition sont tous des matériaux qui sont durables et qui respectent les normes actuelles. Bâtiments préfabriqués marquant ainsi une fin réussie de la première phase du projet de construction des 300 écoles. L'Institut Lumumba Limité a eu droit à 2 bâtiments. Épée à Lumumba, épée des anges au sein de l'Institut Lumumba. Pareil que pour l'épée 1 et épée 2 révérend Mayou du Kankokolo. À l'épée 3 Gamma de Baroumbou, épée Ngiringiri de Ngiringiri, à l'Athénée Baroumbou de Matete, épée 2 Kikinga, à l'épée 1 Kitomessa de Kisenso, Njili, épée 4 Likasi, Kimbansege, épée 5 Kingasani, Kimbangiste, épée 5 Kikini, à l'épée 1 et 4 Montpellé, dans la commune de la Sélé, épée Babouda, épée La Gloire, épée 2 Sélé, épée 2 Kinkolé, Kimbangiste de Kinkolé. Voilà, c'est une fierté pour ce complexe qui date de 1954. Nous sommes très très contents parce que l'État a acheté son dévolu au sein de ce complexe. Ce bâtiment va nous aider vraiment. Parce qu'avoir l'intérêt de ces bâtiments, sur le plan psychologique, ça va jouer sur les enfants. Dès qu'un enfant accède à l'intérieur de ces bâtiments, il aura difficile à fuir l'école. Il aura difficile à abandonner. Le nouveau bâtiment ici a un grand impact sur la scolarisation des enfants de l'épée Babunda. Il y a une facilité de contrôler. Il n'y aura plus de vagabondage des élèves en dehors des cours. Avec cette occasion, ces élèves du degré élémentaire vont étudier les avant-midi et le matin quand il fait frais, les élèves ont une mémoire fraîche, ils vont bien apprendre et ils seront de très bons élèves. Et nous sommes vraiment très très contents et heureux de pouvoir multiplier des efforts pour que nous puissions élever, relever le niveau intellectuel de nos élèves et relever le niveau de l'école. Ma joie est grande, elle est vraiment débordante parce que vous voyez, des enfants qui vont venir étudier, non pas seulement avec des bancs et d'ailleurs les bâtiments, des inscrits qui ne vont plus les atteindre. Voilà encore une grande joie, étant donné que tous les enfants vont se trouver dans des locaux. Il y a quelques mois, cette école ressemblait à ça. Mais aujourd'hui, la réalité est tout autre. Nous sommes ici à l'école primaire et secondaire du Kanchachi dans la commune de Ngaliema. Ces images ne trompent pas. Le travail avance d'arrache-pied. Une réhabilitation rendue possible grâce à l'initiative personnelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. C'était lors de son passage, il y a quelques mois, au Kanchachi. Et pour y arriver, l'histoire remonte des longues années. L'ITP Tchachi, ex-ITP Général Nzimbi, était de sa création un centre de spécialisation professionnelle créé par le Général Nzimbi. Alors, ce centre organisait à son sein les options telles que la mécanique auto, la maçonnerie, la menuiserie et l'électricité bâtiment. En 1990, le ministre Koufi Kilanga avait signé un arrêté faisant de l'ITP Général Nzimbi une école publique. Avec cet arrêté, l'ITP Général Nzimbi a cessé de fonctionner comme une école privée. C'est devenu une école publique, toujours avec les mêmes options. Décidé d'améliorer les conditions sociales des militaires, Félix Tshisekedi a ordonné à ce que la construction et la réhabilitation de cette école soient inscrites dans le projet de 100 jours d'urgence. Le complexe scolaire Kanchachi, c'est un grand projet. Il faut se dire que tout ce qui était là comme école, comme infrastructure, ne répondait plus aux normes. Il est prévu dans ce site que ce site fonctionne avec une école et une école technique, donc deux sections.
Et compte tenu des besoins que nous avons recensés, ensemble avec les bénéficiaires, mais aussi avec les PSP qui étaient associés, nous avons été amenés à pouvoir moderniser complètement ces complexes. Ce qui fait qu'en dehors de la réhabilitation de plus ou moins 800 salles de classe, nous avons construit 14 nouvelles salles de classe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'école a pratiquement doublé sa capacité. Cette école fait partie des chantiers les plus importants du secteur de l'éducation, assuré par la société de construction Safremex, car l'école a été trouvée dans un état de délabrement. Le président est passé ici, il a vu les conditions dans lesquelles les élèves, les enfants militaires étaient en train d'étudier. Il n'a pas voulu que ça puisse continuer ainsi, raison pour laquelle il a demandé qu'on puisse améliorer les conditions. Et il a directement contacté notre entreprise qui avait commencé les travaux au mois de mars. Et nous avons vu qu'il nous a donné 12 mois. Mais notre patron, soucié de ces requêtes du président, il a voulu faire fonctionner les choses telles que vous les trouvez aujourd'hui. Et à peine 6 mois, vous trouvez que nous sommes presque à la fin. Pour la phase de la nouvelle construction où nous avons 3 bâtiments qui font d'office des salles de classe. Des salles de classe qui ont une superficie de 6 x 8, qui peut prendre 50 élèves minimum par salle. Et nous avons un bâtiment bureau qui est derrière nous et qui a 3 salles qui pour les travaux pratiques, les séances pratiques. Et puis nous avons aussi une salle d'informatique. Nous avons le bureau pour le préfet, nous avons le bureau pour le directeur des études, nous avons le bureau pour les secrétaires, donc, et nous avons les sanitaires aussi. Autrefois délabrée, l'école primaire et secondaire du camp Tchatchi est aujourd'hui dotée de nouveaux bâtiments. De quoi donner une lueur d'espoir à ses bénéficiaires. Les élèves vraiment n'étaient pas dans de bonnes conditions. Vraiment, les mots me manquent vraiment. Je vais dire seulement mon cas pour soi. Le président. Président de la République, je vous remercie beaucoup. L'amélioration des conditions d'apprentissage est aussi un facteur clé qui garantit la qualité de l'enseignement. Avoir des infrastructures scolaires répondant aux normes internationales s'avère donc très capital pour la formation des futurs intellectuels du pays. Je demande au peuple congolais, on vous donne M. Paul Biya, le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, le président du Sénat, toute l'Assemblée nationale du Cameroun, tout le Sénat du Cameroun, tout le gouvernement du Cameroun, vous nous donnez seulement une seule personne. Félix Tshisekedi au Cameroun, ce n'est que tout ce que... Non, c'est que ça va changer. Là, notre pays, on sait que ça va changer. Ça va, les choses vont changer dans notre pays. Okay, on aura la liberté.
ne manquez plus aucune émission. Voilà.